Interdiction de toucher quoi que ce soit sans mon accord. Personne ne va manger tant qu'un invité de marque ne sera pas arrivé. Batman. Il m'a entraîné pour devenir un maître du combat, un détective et un majordome pour les réunions festives de taille moyenne. C'est pourquoi il faut que tout soit absolument parfait quand il arrivera. Les décorations, la table dressée, le plan de table et le plus important bien sûr, la nourriture. Oula, oula, une petite minute. C'est quoi ça? C'est ma première et modeste contribution culinaire pour Thanksgiving. Ça s'appelle le Backlorp. Il paraît que de le sentir se débattre à l'intérieur de la gorge rend ce plat encore plus succulent. Ça a l'air délicieux, mais non. Et ce plan de table alors, personne ne respecte? Vous avez vu ça? Brother Blood est de retour à Jump City, je me dis tant! Vous êtes censé attendre que je vous dise en avant, et ensuite vous y allez! Oh. C'est génial, l'équipe des jeunes titans est de retour et elle est plus forte que jamais. Et donc, j'en déduis que vous allez recommencer à ne pas écouter un mot de ce que je vous dis. Tu sais, c'est vrai que parfois on n'écoute pas ce que tu nous racontes. Ou qu'on te respecte pas. Et bien sûr qu'on passe notre temps à se moquer de toi. Mais... Il n'y a pas de mais. Un point, c'est tout. Docteur Light met la ville à sac. Jeune titan en avant. Grâce aux balafres. Spécial rien que pour toi. Arrête! Tu me dégoûtes! Mais il faut que je ponde mes œufs pour que les gens les trouvent. Allez, je te ponds ton gros œuf. Oh non! Je peux pas! Je peux pas regarder ça! Nous arrive droit dessus! Mais que devons-nous faire, Chou-Chou? Je crois que le moment que j'attendais est enfin venu. Écoutez, les jeunes titans, voilà ce que nous savons. Rien du tout! On ne sait rien du tout! Allons, change-l'un! Non, on abandonne point! Protège-nous! C'est toi le cerveau de cette opération! Le cerveau? Oh, il me faut de la nourriture bonne pour le cerveau. Allez, on va réessayer. Voilà ce que nous savons. Cet astéroïde nous tombe dessus à cause d'une petite chose qui s'appelle la gravité. Et c'est l'océan qui agit sur la gravité. Ce qui veut dire que si on arrive à tuer l'océan, cet astéroïde rentrera chez lui. Oui, bien sûr. Oh, yeah!
Ça marche pas, change-la. C'est parce qu'on frappe pas assez fort. Réfléchis, Robin.